Bonjour. Bonjour. On vient de trouver un chat à Port-Porlégain. D'accord, il a l'air mal en point. Oui, il est très mal en point. Vous allez l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il ait un bilan de santé, parce que c'est vrai qu'il a l'air très fatigué et pas en forme du tout. Malheureusement, le pronostic vital est engagé. Il y a urgence. Des pauvres chats blessés, abandonnés, c'est un peu le lot quotidien des bénévoles de l'école du chat de Quiberon. Des caresses en guise de bon point, une éducation amicale, chatons et chattes reprennent rapidement du poil de la bête. C'est douillet comme dans une vraie maison, mais l'hiver approche. L'hiver, c'est beaucoup plus difficile compte tenu que nous n'avons pas d'électricité pour le chauffage et qu'on doit utiliser du chauffage à flamme vive et qui est allumé simplement dans la journée sous notre contrôle. Allez, Rourou, viens vite manger, Rourou. Viens. Ils ont de l'appétit, ces sacrés minets. En bonne santé, ils attendent de nouveaux amis qui vont les adopter. Avec une bonne moyenne scolaire, bien sûr, des forces et la joie de vivre, certains quitteront Quiberon avec des souvenirs de chasse aux mouettes, plein la tête.